C'est Ben Aigri Normandie, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la moisson du blé bio. Donc toujours avec la classe section 450. Voilà. Et il y aura deux tracteurs Ben, donc le New Holland T6 et le CAS Puma 145. Donc voilà, allez, on est parti. Donc voilà, on voit bien la parcelle. Comme je vous le disais, parcelle bio. On voit que c'est assez propre, à part là il y a un petit peu de chardon, 2-3 bains chardon. Donc est-ce qu'il y a eu comme des herbages, de toute façon pas chimique que mécanique, donc il y a eu comment ça s'appelle, de la hercétrie et de la houe. Alors je crois qu'il y a eu un passage de houe et deux passages d'hercétrie. Donc voilà. Et il y a eu un peu d'engrais normalement je crois. Voilà.
Bon allez, on en case. Là l'action là-bas. Je le fais voyer. Hop. On va l'allumer. Il y a tout ça qui s'allume. Hop, allez. Ah non. Allez, on est parti suivre la benne. La moissonneuse. Tu dis des conneries en plus. Ça va plus le faire. Voilà. Allez. Donc voilà. Là, ça benne. Donc, vous découpez une sorte de chasse à la petite belle à la vue. Donc voilà. Si vous voyez bien la goulotte. Voilà. On essaye de s'appliquer sous la batteuse. Voilà. Allez. Ouvrez bien la batteuse. Tac. Voilà. Allez. Et bah. Voilà, allez. On a fini. Elle s'est mise en marche, je vais remettre le tracteur au bout du champ. Voilà. De toute façon, là, il n'y a plus que cette partie-là à moissonner. Après, ce sera pour. Il y a deux petites bandes, du moins plus que deux bandes, mais pour faire les semences pour l'année prochaine, en fait. Du coup, voilà. Allez. Donc, voilà la vue de la benne. Donc, voilà, grand. Il y a un peu de paille qui est remonté, en fait. Vous voyez, mais très propre. Le tout pot du bio. Vous voyez bien. Voilà, donc question rendement, on est à 45 à tout à peu près. L'hectare, voilà, c'est bien pour du bio, pas mal du tout. Donc voilà, toujours avec le case. Là, je sais pas si vous voyez la moissonneuse qui revient. Là, il y avait un peu de paille, mais après, il y avait une tête verte. Là, je sais pas si vous voyez, mais après, ça reste très propre. Pour du bio, voilà. Voilà, comme je vous le disais, on voit bien la bécane. Ça moissonne. Voilà, je conduisais, puis après j'ai dû descendre pour prendre la case. Il n'y a plus, voilà. Mais de toute façon, il n'y a plus que la bande là, la bande là, et c'est fini. Du coup, voilà tout le champ. Et après, il y a deux variétés de blé. Je vous ai fait au début qui était plus haut.
I'm so happy. C'était Ben Aigri Normandie. J'espère que la vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, partage, like et abonne-toi. Ça fait toujours plaisir.